Pierre-Jacques Hédreau, avec son fils, a eu enfin les moyens de ses ambitions et il a consacré 4 années de sa vie pour pouvoir développer ses automates Android qui étaient extrêmement avant-gardistes à cette époque-là, puisqu'il y avait un côté vraiment émerveillement, effectivement, où on voyait vraiment toute la beauté et toute la créativité de cette époque-là, mais aussi un côté scientifique à travers l'étude des gestes de l'être humain et du fonctionnement du corps. Pierre-Jacques Hédreau ouvre un premier établissement à Londres qui lui permet vraiment de toucher toute la partie asiatique. Et Jacques Hédreau a été le premier à être présent à la Cité Interdite à Pékin. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour l'horlogerie et l'horlogerie suisse en particulier. La philosophie de Jacques Hédreau, c'est ce génie du développement et surtout cette vision de l'horlogerie avec des pièces exceptionnellement élégantes, avec un grand savoir-faire artisanal.